l'administration, comme nous avons l'habitude de le faire. Nous profitons aussi de l'occasion pour présenter un peu nos excuses parce que vous avez constaté que nous avons bué, en tout cas entre les deux vidéos, et nous avions l'habitude de proposer une vidéo tous les 15 jours, mais sachez que c'est indépendant de notre volonté. Alors, comme les très vite, comme vous l'avez constaté, forcément, l'élève a compris que c'est la suite logique de la vidéo précédente. Pour la CGCM, nous étions en train de démontrer les réalités des figures de cils. Pour vous rafraîchir un peu la mémoire, on avait clairement dit que concernant les figures de cils, quelle que soit la situation, on ne peut pas dépasser ces trois grands éléments. Lesquels? Le premier a été réglé, c'est-à-dire les figures d'analogie et de disposition. On avait démontré quelles sont les figures qui tournent autour de ça. Deuxièmement, aujourd'hui nous allons démontrer les figures d'amplification et d'amélioration. Et enfin, la troisième part des méthodes que les figures de position. Alors, concernant les figures d'analogie, d'amplification, excusez-moi, ou d'agrégation, c'est très simple. Amplification, on peut avoir le verbe amplifier. Amplifier veut tout simplement dire exagérer. Les figures qui mettent en valeur l'exagération. Maintenant, atténuation, il y a le verbe atténuer. Ce sont les figures qui adoucissent les réalités. Alors, nous avons parmi ces figures d'amplification ou d'atténuation, la litote. Qu'est-ce que la litote? C'est le fait de dire moins pour faire entendre plus. Alors, l'exemple que vous voyez devant vous, c'est-à-dire, c'était une histoire entre Rodrigue et Chinel dans l'ouvrage intitulé Le Cycle de Corneille, une œuvre théâtrale bien entendu. Les deux avaient une suite, autrement dit, Rodrigue avait tué le père de Chimène. Maintenant, Rodrigue a pris son courage à deux mains, il est parti voir Chimène siéger, bien entendu. Les deux ont parlé. Maintenant, en entrant, Rodrigue croyait que Chimène va réagir négativement. Avant de franchir le seuil de la porte de chez Chimène, bien entendu, Chimène, pour faire comprendre à Rodrigue qu'il a pardonné, qu'elle est prête à revenir, à reprendre la relation, Chimène dégage le vers suivant, ou bien la séquence suivante. Va jeter un point. Alors là, vous le voyez, c'est très simple. Il y a l'expression du point qui sert ou bien qui adoucit le verbe aïr. Tout le monde sait que aïr veut dire ce qu'on appelle adoucir. Mais que fait la jeune fille? Elle a préféré utiliser le verbe aïr. Mais dans ce verbe aïr, elle a préféré passer par la négation. Autrement dit, va jeter un point. Pour tout simplement dire, vas-y, je t'ai pardonné. Je suis prêt à tout reprendre avec toi. Autrement dit, qu'est-ce que la rigueur? Comme j'ai dit tantôt, c'est le fait de dire moins pour faire entendre plus. Alors, nous avons la logique de l'hyperbole ou bien l'exagération. Comme son nom l'indique. Hyperbole, c'est une figure qui consiste à dire des choses qui dépassent notre entendement, à dire des choses qui contrôlent les réalités de la raison. Alors, très rapidement, qu'est-ce qu'on a? Par exemple ici, qu'est-ce qu'on dit? Mes parents vont me tuer. Alors la question que l'on se pose, comment les parents peuvent avoir un fils ou bien une fille qui est très sacrée et ses parents sont prêts à se débarrasser de leurs enfants? Là, ça devient contradictoire, ça devient irrationnel, ça devient imaginaire, ça dépend de notre entendement. Donc si on voit mes parents vont me tuer, ça devient forcément l'exagération. Encore une fois, qu'est-ce que l'exagération? C'est dire des choses qui dépendent de notre entendement, qui dépendent de la raison. Alors ici, troisièmement, nous avons l'anaphore. Qu'est-ce que l'anaphore? Là, vous avez constaté que j'ai mis référence. Référence veut dire exemple. C'est-à-dire, l'exemple d'une anaphore, c'est extrait de Afrique, mon Afrique, de M. David Diop, le maître de Bordeaux, dans son ouvrage intitulé Les coups de pion. Alors, qu'est-ce que l'anaphore d'abord? Avant de confirmer cet exemple-là, l'anaphore veut tout simplement dire la répétition d'une même expression en début de plusieurs vers successifs. J'ai bien dit la répétition d'une même expression en début de plusieurs vers successifs. Qu'est-ce qui est confirmé ici? Ça, c'est le titre, vous le savez. Afrique, mon Afrique. Maintenant, le premier vers, Afrique des fiers guerriers dans les savants ancestrales. Deuxième vers, Afrique chante mantra même au bord de son fleuve lointain. Là, vous avez Afrique, Afrique, Afrique. Le mot Afrique est placé en début de vers. Les vers sont successifs. Dans ce cas, nous avons ce qu'on appelle l'anaphore. Qu'est-ce que l'anaphore, encore une fois? C'est la répétition d'une même expression en début de plusieurs vers qui se suivent. Là, vous avez vu que j'ai mis un petit tiré, l'épiphore. Ça sous-entend que l'épiphore n'est rien d'autre que l'antonyme ou bien l'opposé de l'anaphore. Logiquement, l'épiphore veut tout simplement dire la répétition d'une même expression en fin de plusieurs vers qui se suivent. Donc, pour régler ce problème, l'anaphore, c'est la répétition en début de vers, l'épiphore, c'est la répétition en fin de vers. Alors, quatrièmement, nous avons le parallélisme. C'est-à-dire, le parallélisme, c'est une figure qui consiste à mettre en valeur
dans une phrase ou bien dans un verbe la construction du même syntaxe. Si je dis la construction du même syntaxe, là vous voyez que le verbe est composé de deux séquences. Mais il y a une ressemblance au niveau de ce qu'on appelle de la construction. Quelle est la ressemblance? Lui, j'irai par là. J'irai par là. Là, il dit j'irai par là. Là, nous avons constaté qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle une même construction. Maintenant, il y a au milieu presque j'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Les deux, ce qu'on appelle surtout dans la nature, en réalité. Donc, si vous voyez que les deux séquences se ressemblent, mais il y a une petite différence, forêt et montagne, mais la construction est la même du verbe que nous avons ce qu'on appelle le parallélisme. Alors, ici, nous avons l'énumération. Alors, qu'est-ce que l'énumération, comme son nom l'indique ? L'énumération consiste à mettre en valeur plusieurs éléments, en se souciant ni de l'ordre croissant, ni de l'ordre décroissant, mais souvent, l'énumération est marquée par les virgules comme vous voyez là. Ego dit, seul est connu, le dos courbé, les mains croisées. Donc là, nous avons une énumération. Qu'est-ce que l'énumération ? C'est le fait d'énumérer plusieurs éléments en se souciant ni de l'ordre croissant, ni de l'ordre décroissant. Là, vous avez constaté que j'ai pas dégagé une continuité pour la série symbolique dont nous avons ce qu'on appelle un tableau qui n'est pas réglementaire. Alors, d'autre part, on va avoir la graduation. La graduation. Alors, là, vous avez entendu. Ou bien, vous avez constaté que j'ai dit que l'énumération consiste à énumérer plusieurs éléments en se souciant ni de l'ordre croissant, ni de l'ordre décroissant. Maintenant, quand il s'agit de la graduation, nous avons le verbe graduer. La graduation veut tout simplement dire énumérer des éléments cette fois-ci en se souciant soit de l'ordre croissant, soit de l'ordre décroissant. Alors, c'est la différence avec l'énumération, bien entendu. Maintenant, si on donne un exemple, quand on dit pour revenir chez Corneille, qu'est-ce qu'il dit? Va. Cours, vol et nous venge. Alors là, c'est très simple. Il y a va, il y a cours, il y a vol. Alors, va, on marche, c'est plus lent que cours. Cours, c'est un cours, mais c'est plus lent que le verbe voler. C'est la raison pour laquelle on appelle la graduation. Qu'est-ce que la graduation? Cette figure consiste à énumérer plusieurs éléments en se souciant soit de l'ordre croissant, soit de l'ordre décroissant. En réalité, ce sont les figures les plus régulières dans ce qu'on appelle la famille des figures d'amplification ou d'agrégation. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, le problème ne se trouve pas là. Le problème se trouve là où les dialectes sont les plus paresseux, parce que j'ai l'habitude de dire qu'il faut éviter la paresse intellectuelle, il faut savoir creuser. Qu'est-ce que cela veut dire? On peut, l'élève peut venir nous dire que là nous avons la lecture. Mais qu'est-ce qu'on te dit? Quelle est l'idée exprimée par cette figure de style? Quelle est la valeur de cette figure de style? Quel est le sens de cette figure de style? Quel est le discours? Dans ce cas de figure, on est obligé d'entrer dans le fond des choses. On est obligé, ce qu'on appelle, d'analyser pour donner le verdict autrement dit. Quel est le message que veut exprimer le verbe en quelque sorte? Quand on dit l'idée exprimée est la suivante. Avant de donner la réponse, bien entendu, il faut analyser. Vous avez, va, allez-y. Il y a je, elle est comme la personne qui parle. Il y a ne, point. Nous avons la négation. Ça, c'est le verbe est, comme j'ai dit. Le verbe est a été adouci. Va, je ne t'appelle pas, point. Ça exprime tout simplement le parlement. C'est-à-dire, si on dit quelle est l'idée exprimée par cette figure de style, ou bien quel est l'effet produit, nous avons ce qu'on appelle le parlement. Qu'est-ce qui explique ça? Il y a cette négation accompagnée du verbe aïe. Alors, ici, nous avons l'hyperbole ou bien l'exagération. Là, nous avons, même par un nouveau mot, c'est très simple. Quelle est l'idée exprimée? Ça devient ce qu'on appelle l'imagination. Parce que, alors, pourquoi? Parce que ce qu'il dit dépasse le cadre de la raison. Il est en train d'imaginer le bien en quelque sorte, mais il ne mourra jamais celui qui parle. C'est la raison pour laquelle nous avons l'imagination en quelque sorte. Ici, qu'est-ce qu'on a? Afrique, mon Afrique. Afrique des pieds, dirait dans les savannes australes. Afrique a changé mal grave avec le mot de son fleuve, l'ONE. Quelle est l'idée exprimée? David Diop démontre son appartenance. Il démontre une appartenance à notre cher continent en réalité. Il est fier d'être un Africain. C'est la raison pour laquelle il a utilisé l'expression mon Afrique. Il revient sur l'Afrique, il insiste encore sur l'Afrique. C'est l'insistance ou bien l'appartenance qu'on appelle à un continent. Donc, après ça, nous avons j'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Certes, l'idée exprimée par cette figure ici est le voyage, mais aussi nous avons ce qu'on appelle la détermination.
Alors, s'il dit la détermination, parce que le fait de partir par la forêt, le fait de partir par la montagne, c'est déjà une chose aisée. Pourquoi? Parce que Hugo a voulu démontrer coûte que coûte, quelle que soit la situation, quel que soit ce qu'on appelle le prix qu'il doit payer, il rejoindra sa vie. C'est la raison pour laquelle il a utilisé le futur. Deux fois, j'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Même si les ressources attendent c'est un voyage, on peut l'accepter, mais l'idée exprimée est ce qu'on appelle la détermination des points en quelque sorte. Là, qu'est-ce qu'on a? Ce inconnu. Le dos courbé, les mains croisées, n'allez pas aller chercher le midi à 14h. Analysez quelqu'un qui est tout seul. N'est-ce pas? Il est inconnu. Il a ce qu'on appelle son dos courbé, ses mains croisées. Ça sous-entend que Hugo exprime la solitude en quelque sorte. Si on vous demande quel est l'idée exprimée par cette figure de style, répondez ainsi. Nous avons la solitude parce que le poète s'est senti seul. Il est comme un étranger dans son monde qui l'entoure. Autrement dit, il ne pense qu'à une seule chose, la fille qui est partie, Léopoldine, qui est en train de se reposer. Alors là, nous avons la gradation. Qu'est-ce que j'ai dit? Ici, nous avons va, court, vol, innovance. Qu'est-ce que ça sous-entend? C'est une forme de motivation en quelque sorte. Tu vas, on sent que effectivement c'est trop lent. Et court, on sent que c'est trop lent. Mais vol, ça c'est une forme de motivation pour démontrer qu'effectivement on doit décrocher ce dont nous avons besoin. Donc c'est ça qu'on appelle les idées exprimées. Encore une fois, l'idée exprimée veut tout simplement dire l'effet produit, le sens, le discours. Parce que dans toute chose, que ce soit les textes poétiques, que ce soit les figures de style, que ce soit les œuvres modestes, et c'est théâtral, il y a la forme et le fond. Les figures de style, la forme ce sont les noms des figures de style, le fond c'est le sens. Concernant les textes poétiques, la forme ce sont les règles de la versification, le sens c'est le message en quelque sorte. Donc tout texte est composé de forme et fond, donc ne soyez pas paresseux par rapport à ça. Maintenant, je l'ai évoqué tout à l'heure, nous avions les trois angles, ça c'est la deuxième angle. Troisième angle, nous avons les figures d'opposition. Dans opposition, nous avons ce qu'on appelle le verbe opposer. Voilà, malheureusement ou bien excusez-moi, nous allons arrêtez là au fond de nos discours, on vous donne rendez-vous dans 15 jours dans une autre chaîne YouTube. Je vais remercier encore de votre attention.